année, c'est la 5e édition, que cette année aussi, c'est la 5e fois que la famille est Tremblay. Mario et sa famille nous reçoivent au Kiorama de Baie-Saint-Paul, alors on les remercie beaucoup. C'est la 5e année aussi que la famille Ménard au supermarché de Baie-Saint-Paul sont les présidents d'honneur Kioton. Donc, tous les fonds qui sont amassés, ils vont être dédiés à un projet qui s'appelle « Création d'espaces de vie thématique ». Dans le fond, il va y avoir un espace, par exemple, animalerie, un espace chalet, un espace aussi pouponnière qui vont être installés dans les différentes unités du CHSLD. Les impacts de ça, c'est que les résidents vont être en mesure de faire des activités comme à la maison. Donc, d'augmenter leurs interactions sociales, et puis de combler leurs besoins aussi de se réaliser, puis de se sentir utile. Alors, c'est vraiment votre générosité ce soir qui permet ce projet-là de se concrétiser. Alors, merci à vous, tous les participants, puis tous les donateurs. En compagnie de Maurice Lavoie pour le Kioton à Baie-Saint-Paul, le Kiorama. Encore une fois, je pense que la population s'est mise derrière l'événement et comme on l'a pu voir présentement, c'est un grand succès, là. On ne se le cache pas. Ah oui, je te dirais, Maxime, là, on peut dire que c'est un succès sur toute la ligne. Cet après-midi, là, une bonne participation et ce soir aussi, là, ça va très bien. Justement, on m'a dit que la joute d'après-midi avait été complète. Ce soir, c'est aussi complet. Donc là, on parle de deux rondes dans la journée complète. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Je te dirais, on ne peut pas demander mieux que ça. Puis en plus, avec Dame Nature qui a très bien collaboré de notre côté, là. Puis on peut dire, c'est une bonne cause aussi. Les gens sont très vénéreux, là. Ça participe. Puis comme tu le connais, c'est pas mon premier Kioton que j'organise. Ça fait, je pense, que les gens commencent à être derrière nous, là. Puis c'est pour une bonne cause. Je tenais à remercier tout le monde d'être venu nous encourager puis d'être derrière nous, ainsi vous autres aussi, les médias. Si je me fie à l'an dernier, on avait ramassé 12 000 $ pour le Kioton 2019. Cette année, est-ce qu'on a bon augure qu'on va dépasser ce montant-là? D'après moi, là, avec les inscriptions là, puis les commanditaires, tout ça, oui, on devrait atteindre aux alentours de ça. Là. Je pense que entre 10 et 12, là, mais non, ça va s'assembler. Mais dans le contexte aussi, là, je te dirais, là, c'est super bon. D'abord, après les fêtes, c'est très tranquille aussi. Hein? Fait que non, moi, là, l'objectif d'un, là, c'est d'améliorer les services et faire connaître la cause, d'aider aussi la clientèle. Là. Je pense que, sur le point de vue monétaire, là, on ramasse ce qu'on a, puis on est très contents. Les élus sont toujours derrière nous, là. M. Fortin, Mme Claudette Simard, Mme Émilie Foster, députée, était avec nous. Nous aussi, on avait des conseillers, M. Michael Pilote, M. Luc Goudreau, M. Ghislain Boilly. Et aussi, là, on avait du côté du CHSLD, là, M. Sivigno, qui est assistant directeur pour la clientèle. Et aussi, on avait Mme Sophie Barsetti. Mme Barsetti s'occupe de... On peut dire c'est le grand boss là, du CACLD, là, du CIUS. Là. Elle a pris à peine de descendre de Québec, je pense, parce qu'elle croyait au projet qui a été mis en place avec la Fondation. Je te dirais que, comparé à l'an dernier, là, au niveau de la Fondation, on a une nouvelle directrice, Mme Catherine Dufour. Catherine a fait un nouveau projet avec la collaboration de M. Sivigno et Karine Mailloux. Pour faire la simulation là, avec la clientèle, améliorer les services. Puis je pense que le projet a très bien sorti. Je pense que c'est ça qui va faire la réussite et la différence là, au point de vue là, de l'impact, tu dirais. Là, comment ça se fait que le boom, ça a très bien sorti. Là. Je te dirais que ça, c'est un gros plus. Puis moi, ça m'aide aussi parce que oui, c'est entendu que Maurice Lavoie est bénévole, ils me connaissent, là, mais moi, le fait là, que la Fondation soit derrière moi, là, c'est un gros plus. Là. Maurice, on le sait, ça fait plusieurs années que tu es le principal organisateur du Kioton.
Dis-moi, année après année, jour après jour, heure après heure, qu'est-ce qui fait en sorte que Maurice Lavoie a encore la passion et la flamme pour se mettre dans l'organisation, corps et âme, dans cet organisme-là? À moi, là, d'un, je te dirais, c'est de donner des meilleurs... C'est la clientèle. C'est que ce soit les enfants, n'importe quelle cause, là, c'est toujours ça vient de chercher. Là. C'est toujours d'aider la clientèle qui en a besoin. D'améliorer les services, moi, comme moi, c'est une cause de santé. D'améliorer les services aux usagers, ça, c'est primordial. C'est ça qu'ils viennent chercher. Là. Puis, comme je te disais, les objectifs qu'on atteint, c'est secondaire, mais... Si on ne le fait pas, moi, je me dis aujourd'hui, là, c'est une belle journée dans Charlevoix. Il y avait beaucoup d'activités. Je tenais aussi à féliciter tout le monde là, qui font des activités, là, qui donnent leur temps bénévolement. Là. Je pense que c'est. On a tous un petit peu notre adrénaline. Puis c'est une réussite pour tout le monde. Là. C'est un succès, on peut dire, tout le monde. En terminant, ça fait 10 ans c'est pour la Fondation. Puis comme bénévole, puis je tenais aussi à. Apporter une petite parenthèse, la Fondation fait 30 ans cette année. Et le Dr Paquette, le président, là, ça fait 30 ans qu'il était là aussi avec nous. Là. Je tenais à lui dire merci, là, puis à tout le conseil d'administration aussi qui sont derrière nous. Là. Puis encore merci aux commanditaires, les donateurs, TVCO, tous les médias qui sont avec nous. Merci, Maxime. Bien, on sent super bien, là. On passe une super belle journée avec plein de participants, plein de donateurs, de gens qui sont venus nous voir aussi. C'est un événement que Maurice a organisé encore une fois. Il a pris en charge tout ça, puis on voit le résultat. Là, il y a plein de monde. C'est super motivant, puis c'est aussi super le fun. On a bien du fun. Dans le fond, la Fondation, là, on est dans le 30e anniversaire, hein, mais c'est une Fondation qui est connue, qui a des impacts bénéfiques depuis 30 ans. Fait que je pense que les gens, ils connaissent la Fondation, la cause, puis bien, ils veulent participer. Fait qu'on se sent super entouré, puis on se sent, tu sais, dans le fond... On choyait parce qu'on travaille sur un projet. Le Kyoton, il est dédié à un projet super concret d'aménagement d'espace de vie thématique au CHSLD. Fait que je pense que les gens, ils sont contents de voir les impacts de leurs dons finalement aussi. On sait que l'argent ramassé sert à améliorer les soins de santé. Mais là, je pense que cette année, là, on avait un besoin spécifique. Tu en as parlé tantôt. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, c'est ça, en fait, c'est que tous les dons, les fonds qui sont amassés aujourd'hui vont aller vers le projet de création d'espaces de vie thématique. Fait que finalement, il va y avoir des petites bulles ou des petits coins d'aménager dans le CHSLD Charlevoix-Ouest. Dans le fond, par exemple, il va y avoir un coin pouponnière, il va y avoir un coin nature, un coin chalet, un coin multimédia d'aménager dans les différentes unités du CHSLD. Dans le fond, ce que ça a comme impact, là, c'est que les gens, les résidents, ils peuvent faire des activités comme à la maison. Ils peuvent augmenter leurs interactions sociales, ils peuvent combler leurs besoins aussi de se réaliser ou de se sentir utile. Fait que c'est ça, ce beau projet-là. On a travaillé en étroite collaboration avec les gens de la direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées. Donc, il y a toute une équipe là, qui a ressorti ce besoin-là au niveau du CHSLD. Puis c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on avait le bonheur d'avoir deux résidents aussi cet après-midi qui sont venus regarder la game de quilles. Fait que ça rendait tout ça encore hyper concret. Fait que c'était vraiment bien. Alors là, non seulement on améliore les soins de santé, mais est-ce qu'on peut aussi dire qu'on apporte une plus-value là-dedans aussi? Ben oui, dans le fond, là, le projet, il y a des impacts très spécifiques, puis il va avoir un impact direct sur la qualité de vie des résidents du CHSLD Charlevoix-Ouest. Ben en fait, là, l'objectif, là, mon mandat, c'est vraiment de poursuivre là, tout ce qui a été fait dans les 30 dernières années, des choses très incroyables. On a le Kyoton aujourd'hui, mais dans les prochaines activités de collecte de fonds, ce qui s'en vient, c'est vraiment la journée de la Fondation qui va avoir lieu le 26 juin prochain. Donc, c'est toujours notre super tournoi de golf au club de golf Le Loup avec un cocktail banquet au Germain Charlevoix. Cette année, on a deux coprésidents d'honneur. On a Annie Bouchard, notre triple médaillé aux Jeux parapanaméricains de 2019. Puis on a aussi M. Peter McCarthy, qui est le président et chef de la direction générale à BMO Assurance. Fait qu'on a tout ce beau monde-là qui travaille pour, encore une fois, aller faire de la collecte de fonds pour des projets qui ont un impact qui ont des impacts bénéfiques au sein de la communauté. Fait que c'est ça qui s'en vient pour nous. Puis ensuite de ça, ben moi, j'aime avec le conseil d'administration qui est super présent, qui est super impliqué, ce qu'on veut faire, c'est développer d'autres activités de collecte de fonds. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, par exemple, du don planifié ou différentes autres activités qu'on va mettre en,
en place éventuellement. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient pour nous, mais la Fondation, c'est ça, comme je disais tantôt, elle est tellement connue, puis c'est tellement... c'est la santé, donc ça touche toute la communauté, qu'on est déjà tellement bien épaulés. Il s'agit de poursuivre là-dedans.